Les cimetières étaient à l'honneur cette année lors des Journées du patrimoine. À cette occasion, l'historienne Suzanne Catari, co-auteure du livre Histoire et guide des cimetières genevois, nous a guidés à travers le cimetière de Saint-Georges dimanche dernier. Les Journées du patrimoine existent depuis de nombreuses années maintenant à Genève et elles permettent au public de découvrir des sites qui peuvent être fermés ou bien qui manquent de visites, et c'est une occasion pour le public de découvrir ces endroits. Chaque année, les Journées du patrimoine ont un thème. Cette année, il s'agit du cycle de vie, et donc, bien évidemment, les cimetières font partie de ce parcours de vie. Alors hier, nous avons visité le cimetière de Plainpalais. Aujourd'hui, le cimetière de Saint-Georges, qui est un autre cimetière de la ville de Genève, qui en possède 4. Actuellement, et puis nous allons nous intéresser à la loge d'entrée qui a été construite par John Camoletti. Nous allons nous arrêter sur quelques tombes, celle de Karl Vogt, celle de Ferdinand Hodler, la chapelle des comtes Schiffner, et puis nous aboutirons à la chapelle de l'Ange de la Consolation qui a été renommée ainsi après des grands travaux de réfection en 2000 et qui n'est autre que l'ancien crématoire. À mon sens, c'est un cimetière qui gagne à être connu, entre guillemets, que les gens ignorent, que les gens considèrent comme un immense cimetière suburbain, quelque peu anonyme. Et lui aussi a une histoire, il a été créé en 1883. J'espère que nous pourrons la découvrir ensemble aujourd'hui. Le cimetière de Saint-Georges a été inauguré en 1883 pour pallier le manque de place du cimetière de Plainpalais. Le terrain a été acheté à la commune de Lancy en contrepartie de la possibilité d'y inhumer ses morts gratuitement et de bénéficier des ventes des tombes. Et c'est en 1937 que la commune de Lancy a cédé cette parcelle de terre à la ville de Genève. Il est conçu dans son ensemble par l'architecte John Camoletti et se présente comme un parc à 5 allées rayonnantes avec une entrée de style néo-gothique. De nombreuses personnalités y reposent, notamment le très controversé Karl Vogt et le célèbre peintre suisse Ferdinand Hodler, dont le caveau est orné d'une copie d'un de ses tableaux. Des chefs-d'œuvre d'architecture sont également à admirer, comme le caveau du prince Alexis Karageorgievitch, dont la chapelle de style byzantin a été construite par le célèbre marbrier Ferdinand Belocher, ou encore l'impressionnante chapelle des comtes Schiffner qui évoque un temple grec. Deux monuments aux soldats morts, lors des deux grandes guerres mondiales, sont également à voir. Un patrimoine à découvrir chaque année dans des lieux parfois insolites.